Salut les gens, c'est Stan. Alors, nos matrices vertes sont faites, mais elles ne vont pas assez vite. On manque un petit peu de ressources et on va travailler sur un épisode de transition à préparer notre deutérium et aussi notre fer et notre cuivre qui nous manque finalement à plusieurs endroits. Alors, parce que les mines sont épuisées ou parce que j'ai agrandi la production là où, par exemple, ici, vous voyez, j'ai agrandi la production, donc on manque de cuivre et ici, ça ne vient plus le cuivre. Vous voyez, ça s'arrête. Ça va pas jusqu'au bout en fait. Alors on va travailler d'abord sur le fer. Le fer ici. Là par exemple, on n'a plus du tout de fer qui arrive. Donc. Voilà, on va pouvoir supprimer ça, 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 ça. Ça et ça. Voilà. Ici, on va récupérer le fer qui va là-bas. On va maintenant appeler ici des ressources, notamment du fer. On va mettre des navettes. On dit mais les navettes tu les finiras jamais. Mais oui, mais il y a une usine, il y a une usine quand même. Rassurez-vous. C'est vrai que pendant un moment j'arrêtais pas de repousser mes navettes, mais c'était un surplus de navettes que je souhaitais faire. Voilà, c'est parti, ça va aller chercher du fer. Maintenant, on va sortir du fer donc ici. Voilà. Hop, on va aussi en sortir ici. Voilà, et ici. Donc la priorité vient de là. La priorité vient de... On va faire les priorités à la main. Parce qu'on peut faire des priorités à la main. Donc en priorité, je voudrais que ça utilise ce qui vient de là pour finir cette mine en premier. En deuxième priorité, donc ça sera ce qui vient de là. Et en troisième priorité, ce qui vient de là. Quand vous faites une ligne droite comme ça, elle est prioritaire. Elle est toujours prise prioritairement par rapport au reste. Je vais vous le montrer. Là, si je fais sortir. Vous voyez, ça passe jamais là. Ça passe jamais parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà, et là c'est pareil, ça passe que quand l'autre lui laisse l'occasion de passer. Voilà comment on pouvait faire des priorités sans les sorteurs. Alors les sorteurs, je vous rappelle que on peut en faire de diverses sortes. On m'a montré ça récemment. Vous le savez probablement déjà si vous avez lu les commentaires. Moi je l'ai découvert, alors pas, j'en vois pas trop l'utilité, mais c'est sympa de savoir. J'y réfléchirai. J'y réfléchirai. Donc là, on a fait notre approvisionnement en fer. Par contre, on n'aura certainement pas assez pour approvisionner tout ça. De cuivre, c'est pareil ici, on n'a pas assez. Alors on va faire du 12, déjà pour commencer, tant qu'à faire. Hop là. C'est dommage de se restreindre à 10 alors qu'on peut faire du 12. Vas-y, fais trois fois la même erreur si tu veux. Hop là. Ah, c'est la sortie, d'accord. Ok. Ben, tant mieux. Voilà. Ensuite, eh ben on va aller chercher notre minerai. Et on va le remplir. Nous y voilà. Ensuite ici, hop, on va monter et redescendre. Et on va faire sortir du minerai de cuivre ici. Demande, on va lui mettre plus de navettes. Voilà.
Et là, donc, on a bien du 12 qui sera produit tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et bien entendu, ça, c'est un planétaire. Et bientôt, on ira faire un interplanétaire qui va faire du supply, qui ira chercher dans l'espace et qui fera du supply sur la planète. En attendant, je vais avoir besoin d'aller faire plus de deutérium. Et pour faire plus de deutérium, il me faut plus d'aimants. Ça tombe bien, je viens d'accélérer la production des aimants, mais je ne sais plus où c'est. C'est là. On va donc, pour l'instant, la réfréner quelque peu. Et récupérer. Quant à ma production, ici, je voudrais voir où est-ce qu'elle va. Ici, quelle est la quantité? J'en ai besoin. A priori, vraiment très peu. Ouais, très 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 peu. C'est très occasionnel. Pas besoin de s'en inquiéter. Par contre, ici, la quantité dont j'ai besoin, c'est du 1 par seconde fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est d'accord que c'est le seul endroit où j'ai besoin, donc j'ai besoin de 10 par seconde ici. Je dis pas de bêtises. Non, non, c'est bien du 1, donc c'est bien du 10 par seconde. On en a besoin nulle part ailleurs. Donc on devrait être bien avec notre 12, ça va se remplir. Hein. Jusqu'au bout. Voilà, et maintenant c'est les aimants qui me manquent. Non, il n'y a rien qui manque, tout tourne. C'est parfait. Ok. Alors, je vais aller faire à la main des trucs de deutérium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. On va prendre quelques moteurs, pas trop. Là, c'était pas besoin de monter à 25, clairement pas. Encore 3. Et voilà, maintenant ce qu'il me faut. Oh, j'ai du deutérium. Le deutérium est attendu. Hop là. J'ai beaucoup de processeurs aussi quand même. Je prends note. J'ai vraiment beaucoup de processeurs. Ici. Encore quelques-uns. Et je vais essayer d'en faire à la main. Il manque du graphène, ça c'est pas un problème, on en fait plein à côté. Et de toute façon, on en importe maintenant. Voilà, et du coup, je vais pouvoir en faire quelques-uns. Pas tant que ça. Des aimants, bah oui, des aimants. Mais là, ça va mieux. À peine de mettre un grand creuf pour le réduire à la taille d'un petit. Voilà. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est des moteurs verts. Et je continue. Voilà, on pourra faire ce qu'il faut pour aller chercher plus de deutérium. Voilà, et maintenant, on va aller se préparer à faire des mines. Donc là, j'ai ce qu'il faut ici. Est-ce que j'ai des mines? Ben, j'ai pas de mines, j'en ai 4. Hein. Donc, hop, 4 mines, il me faut du fer et des rouages. Alors, des rouages, j'en ai un petit peu. Du fer, il doit y en avoir là-dedans. Tiens, en parlant de fer, on avait toujours un petit peu dont j'avais pas besoin à l'époque. Qui va pouvoir servir. J'en ai toujours pas besoin, ceci dit, vu que c'est saturé ici. Mais au fur et à mesure que les mines vont tomber en panne, ça nous fera du bien. Donc des mines, justement. Voilà.
y voilà, les mines se fabriquent, donc pas en grande quantité, ou si ça devrait suffire. Hop, là, de toute façon, j'ai pas grand-chose à faire, juste quelques éoliennes. Et on y va. Alors ça c'est joli, vous allez voir. Quand on se met en orbite, regardez, je suis en train de faire le tour. Voilà. Je suis en train d'orbiter autour de la planète. Ça permet de voir. Voilà. Ah oui, hein, y a pas de raison de pas avoir P. Alors, où est-ce qu'on va trouver des mines? À mon avis, un peu partout, là, hein, quand même. Hein. Voilà. Là, il y a deux fers et un cuivre. Hop là. Un, deux, trois. Alors ici, 6 et 5. Et 5, ça fait 16. Et là, 8 et 7. Ouais, on est très bien. On est quasiment plein pour deux tapis. Et ça, c'est le deuxième tapis. Hop. Pas ça que je voulais mettre. Ça. Et ça. Et ça. Et de toute façon, encore une fois, chaque fois qu'on vient sur ces planètes-là, on se pose pas de questions, on apporte notre énergie. Surtout que maintenant, avec le nombre de navettes et la vitesse qu'on a, ça se pose vraiment vite. Hop là. On va pour mettre ici. Et voilà. On va maintenant faire une mine de cuivre. Donc 7 et 4, 11 et 4, 15. Et l'autre, 18, 18, c'est trop. 8 et 7, 15, voilà.
15, 4, 6, 10, et ça fait 20. Bon, bah, de toute façon, il y a trop, hein. Trop, c'est pas grave. Hop là. Non, je crois que de mémoire, il devait aller sur l'autre. Maintenant, on va mettre un interstellaire. Qui va recevoir du cuivre trois fois. Voilà. Pour mon interstellaire. Ici, un autre interstellaire. Hop là. On va faire le fait que l'on remote supply, voilà. Les réseaux sont bien reliés et ici c'est pas relié, j'ai l'impression, hein. Et ici on va envoyer aussi le cuivre. En remote supply, parfait. Il ne reste plus qu'à retourner sur notre planète. Alors je vois un truc qui part par là-bas, donc je me dis que ça doit être là-bas, hein. Je vais suivre le vaisseau. Ça doit être derrière le soleil. À tous les coups, c'est ça, c'est derrière le soleil. On va éviter de se jeter dans le soleil. Voilà. Et voilà, fin de cette première partie. Et on continue avec une toute petite partie consacrée à l'énergie, la réception des marchandises. Alors énergie, pourquoi? Bah parce que, vous voyez, on commence à être en baisse. Et attention, quand on est en navette et qu'on est en baisse, les navettes vont partent moins vite, reviennent moins vite. Et si c'est celle qui apporte l'énergie, eh ben, ça va piquer. Pour le coup, ça risque pas d'être le cas. Parce qu'on n'a pas un problème d'apport d'énergie. On a un problème, vous voyez, ici, comme la production, les productions externes se sont quasiment arrêtées, on n'a plus besoin de matrice ou presque, eh bien, on a moins d'hydrogène qui arrive ici, donc ces deux-là ne tournent quasiment pas. Donc, on va changer tout ça. Ici, on va faire une sortie. Voilà, comme ça. Là, on va faire une sortie comme ça. Et ici, on va faire des sorties comme ça. Alors ici, il faut lui dire que c'est de l'hydrogène. Ici, il faut lui dire que c'est de l'hydrogène.
Et en fait, on va venir nourrir celle-là. Et là, c'est l'inverse. On va clairement aller nourrir la première. On va utiliser de moins en moins les sorteurs. Alors, comme on ne veut pas bloquer, ici vous voyez, il y en a un qui est bloqué. Là aussi c'est bloqué. Bon bah donc on va réutiliser les sorteurs. Hop, c'est parti. Et on va faire un sorteur qui vous plaît. Non, celui-là marche pas trop. Bof. Ouais, non, j'en ai pas qui conviennent. Hop là. Celui-là, hop, comme ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Normalement, ça part à part entière. La priorité devrait quand même venir à celui-ci. À condition, ici, de relier les deux. De façon équilibrée. Voilà. Comme ça, ils sont prioritaires. Et là, tout est bien. Mon énergie devrait être remontée large. Très large. Voilà. On n'avait pas besoin de plus d'énergie. On avait besoin qu'elle soit mieux approvisionnée. Pour autant, on va aller faire encore des stats ici spatial. Non, pas celle-là. Voilà, des comme ça. Et puis une autre. Voilà, très bien. On va fournir l'énergie aussi aux stations pour pas qu'elles soient tristes, et on va leur demander de s'occuper des métaux pour la planète. Donc local supply, remote demande. Et ben là c'est pareil, local supply, remote demande, et on va les approvisionner en navettes de toutes sortes. Hop là, il faut des navettes. Bonjour messieurs, auriez-vous des navettes s'il vous plaît? Vous en avez, hein? Ouh, pile poil. C'est pas énorme, mais ça sera d'autant plus que on risque fort de pas y retourner maintenant aux navettes. Hein. On aura probablement fini avec les navettes. Voilà. Donc comme ça, on va utiliser les mines qui sont à l'extérieur. Voilà pour le petit aide. Je continue à fabriquer. Non, j'ai pas fini. Je vais continuer à fabriquer au maximum des stations comme ça. Tu veux des réacteurs. Et sûrement de ça. Six de plus. À nouveau des réacteurs. Ça tombe bien, on est en train d'en faire. Les tapis. On peut les faire à la main. Maintenant. On va aller chercher les moteurs. Enfin, les turbines, pardon. Hop. Nous y voilà, on a toujours besoin de tapis. Il faut pas se laisser attraper sans tapis. Et puis bah là par contre on a besoin de turbiner de graphène, donc on peut pas en faire plus. Hein. Va falloir attendre que ça vienne tout seul. Voilà, mais on en a déjà 8 plus
On a déjà 19, il nous en fallait au moins 26. Donc je pense qu'assez rapidement au cours de l'épisode, on aura ce qu'il faut pour aller semer notre deutérium et augmenter notre production. Ah oui, il y a une dernière chose. Vous l'avez peut-être vu. Alors ça n'a eu aucune conséquence hein, pour l'instant. Mais j'ai pas mis d'alimentation ici. Ce qui fait qu'il n'y en a qu'un seul qui marche sur les trois. Mais comme vous pouvez le voir, on manque de deutérium. Donc du coup, ça n'a rien changé. Voilà. Ça n'a absolument rien changé, à part que les premiers se sont remplis en pastilles et n'ont pas pu faire de matrice verte. Voilà, on va se retrouver maintenant pour la mise en place des prémices de la Dyson Sphere qu'on va faire bientôt, car c'est la prochaine étape. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour une troisième étape qui va être un petit peu plus compliquée parce que on a à nouveau des ruptures, un petit peu de fer qui nous manque au moment où, à l'endroit où on fabrique les processeurs. Mais une fois qu'on a rétabli le fer, c'est le silicone qui va nous manquer, tout simplement parce que on s'est épuisé sur la planète, ici, Gamma Equina. Il n'y a plus de silicone, ça produit beaucoup moins, on reçoit beaucoup moins. Ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher le silicone sur notre planète. Et il faut que l'on le fabrique, les barres de silicone, chez nous, parce que comme on va devoir changer de planète régulièrement, alors évidemment, là, la partie est bientôt finie, mais on part du principe que sur une gamme un peu plus longue, on devrait changer régulièrement de source d'approvisionnement. Donc, il va falloir fabriquer le silicone chez nous. Alors, première partie, aller chercher le silicone et le ramener chez nous. Alors, sur la première planète, on va laisser les barres se faire, il n'y a pas de souci, ils vont continuer jusqu'à ce que ce soit complètement épuisé. Et même on laissera la planète comme ça, on va pas s'embêter. Moi, ce qu'il me faut, c'est plusieurs choses. La première chose qu'il me faut, c'est trouver où je fabrique mon silicone, je suis un peu perdu. Je pense que c'est vers là que je le stocke. Tout à fait. Je le stocke ici. Donc, eh ben écoutez, on va le laisser comme ça. Mais pour l'instant, je vais le ressortir. Et je vais le prendre pour moi parce que j'en ai besoin d'un petit peu. M'en fout un petit peu. C'est bien d'avoir des barres de silicone. Je suis toujours en galère pour aller chercher des barres de silicone. Donc là, ça va être pratique. Je pourrais venir de temps en temps récupérer du silicone ici. Si j'arrive à faire ce que je souhaite faire. Voilà. Ressors-moi mon silicone, s'il te plaît. Voilà. Donc, à partir de là, ce qu'il va me falloir, moi, c'est des panneaux solaires. Pour des panneaux solaires, il me faut beaucoup de ça, et du silicone, justement. Il m'en faut au moins 50 des panneaux solaires. Donc 50 x 6, ça fait genre 300. Ensuite ici. Voilà. Ça, c'est pas normal que ça soit fabriqué comme ça. Voilà, fabriquez-les comme ça. Il me faudrait aussi des mines. Voilà. Plus que ça, des mines, d'ailleurs. Encore du fer, s'il te plaît. Hop là, et des aiguillas et des engrenages. Normalement, j'en fais là. Voilà, comme ça, c'est vite fait. Ici, du coup, j'ai sorti mon silicone. Ouais, t'es un champion. Et tu vas me faire des panneaux solaires. M'en faut 50. Donc, j'en fais 70. Parce que pourquoi pas 80, tiens. Comme ça, on n'aura pas de soucis de quantité, normalement. J'ai des accumulateurs, parce qu'évidemment, à moins d'aller s'embêter à les mettre sur les. Je préfère mettre deux fois plus de panneaux solaires du mauvais côté. Par contre, il faut quand même les mettre pas trop loin de l'équateur, parce que si vous les mettez trop loin de l'équateur, il y a carrément 6 mois pendant lesquels ils vont pas charger, hein, si vous les mettez au pôle. Donc, on va les mettre pas trop loin de l'équateur, mais pas parfaitement à l'équateur, donc on va rajouter quelques accus. Pour que cela puisse tenir. Bon, bah moi on est bien. On va aller virer. Où est-ce que je suis? Je suis là. Hop, c'est parti. Alors, vous voyez, il y a pas mal de couleurs là qui sont déjà en train de saturer. Hein. Les jaunes, les rouges, les bleus, ça remplit plus. Hein. Enfin, c'est un tout petit peu. En faible quantité. Il n'y a plus que les violettes et les vertes qui sont en train de charger. Les violettes se chargent, les vertes, elles, se consomment. C'est elle qui définit la vitesse à laquelle on va être pris. Ici,
On fait plus assez de fer, vous voyez, ça tourne plus. Et donc, du coup, ça ralentit considérablement notre production du processeur. Alors, on va aller chercher du fer, mais on veut d'abord épuiser la mine. Donc, ici, on a une priorité sur cette mine qui passe toujours en priorité. Et ces deux mines-là vont toujours passer en priorité par rapport à notre appel de fer. Voilà, on veut lui mettre quelques navettes de plus. Très bien, et on va faire sortir du fer ici. Et normalement, c'est réglé. Ça sera réglé. Très bien. Maintenant, on va aller ici. Aïe, je me suis fait mal. Et on va aller fabriquer des navettes. Parce que là, j'en ai vraiment pas assez, des grosses navettes comme ça. Je ne sais pas ce qui les ralentit à ce point. Alors là, ici, par contre, ils disent, voilà, ça sera plus propre. Ici, pour faire mes navettes, il va me falloir tout un tas de choses. Qu'est-ce que j'ai fait de mon fer? Là, tout est là. Quand ça disparaît comme ça, c'est pas du fer, c'est du titane. Voilà, une petite cinquantaine de navettes en plus, ça peut pas faire de mal. Très bien. Ici, on devrait être capable de faire un de plus au moins. Voilà. Est-ce que je peux en faire encore plus des composants comme ça? Non, il me faudrait du graphite. Alors, 1, 2, 3. On continue à faire des moteurs bleus à la main. Alors, je pourrais pas en faire beaucoup, j'en ai pas beaucoup de ça. Voilà, et ensuite. Voilà, donc mes panneaux solaires sont en train d'arriver. On a ça qui a été lancé histoire de nous occuper un petit peu l'esprit. Est-ce que j'ai des mines? Non, j'ai pas de mines. Ah si, j'en ai plein. J'ai plein de mines, plein plein de mines. Reviens Léon. J'ai plein de mines, j'ai des panneaux solaires, j'ai des accus, j'ai un transport, j'ai des navettes, j'ai tout ce qu'il faut pour aller faire du silicone. Alors les silicones, on va produire les barres évidemment sur cette planète parce que ça sert à rien hein, d'aller faire les installations comme on l'avait fait sur l'autre planète. Bah si, c'était utile à l'époque pour moins transporter. Mais pour le coup, là maintenant, il faut tout fabriquer sur notre planète et importer les matières premières. C'est parti. Voilà. Donc ici, sur cette planète barren, il n'y a pas de vent. C'est dommage. Bingo. Nous y voilà. Alors là, j'en ai deux là. Et deux là. Ça doit faire 1200, 1200. Les 2500, grosso modo, doivent se retrouver là. Et l'équateur, je sais pas où il est. L'équateur, pour moi, il est ici. Là, sur celui-ci. Le problème, c'est que c'est pas pour autant que je vois où l'équateur, là, comme ça. Ah, si. Là, on est pas mal près de l'équateur, à mon avis, donc on va poser nos panneaux solaires ici. Ah bah tiens, comment je pourrais le voir l'équateur? Ce serait pas ça. Alors si c'est ça, on va en profiter. Hein. J'aime pas quand c'est pas parfait. Il va falloir que je m'y fasse. Il
Voilà, bon, maintenant, ici. Normalement, ils sont bien connectés, hein, tout ça. On va leur mettre quelques accus. Voilà. Voilà, normalement, on a de l'énergie. Reste à trouver maintenant où est notre silicone, sur la gauche ici. Allez, on va se poser ici. On va ramasser le silicone. Alors 5 plus 4, 9 plus 5, 14. Ça fait un tapis. Là, on a du 6 plus 5. Ça fait un deuxième tapis. Voilà. Hop là. Et là-bas, à nouveau, quelques mines. Donc ici, nous avons du 8 plus 5, 13 et 6. Donc là, on a 11, 8 et... 5, ça va faire 13. Là, on a 11 et 4, ça va faire 15. Très bien. Hop là. Voilà, ici, on va mettre notre gros truc. Évidemment, on va pas mettre les navettes ici parce que sinon, lui, il faut qu'il se recharge à partir d'ici. Et c'est clairement pas notre souhait. Voilà. Alors ici, du silicone. Remote supply. Ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air parfait. Où est-ce qu'est la deuxième truc? Normalement, elles sont pas loin. Ah, là-bas. D'autre côté du pôle. Où est-ce qu'elles sont? Bah, je suis pas trop parti dans la bonne direction en fait. C'était de l'à peu près. Ah bah les deux sont là. Ça y est. Et ici. Cinq. Et peut-être 8. Ça ferait 13. Non, on a du 5, je crois. Il nous en faudra une troisième pour compléter un tapis à peu près potable.
Hop là. Voilà. Hop. Nous y voilà. Ici, là-bas, on a quoi? Cinq et cinq, dix. Ça fait un tapis. Ça, c'est tout petit. Trois. Sept. 3, 10 à peine, du coup j'en remets un. Hop là. Là ça remonte. On va avoir notre petit spatioport. Et voilà. Tu vas rien faire de spécial. Et ici, bah, ça charge doucement. Ça charge doucement. Et on va voir. On a bien de l'électricité qui arrive ici. Bah, pas vraiment jusqu'au bout quand même. Ok. Là, on est connecté. Alors on est bien sur l'équateur, c'est pas 24 heures sur 24 qu'on a de ça, hein, c'est pile poil 12 par jour. Mais le truc, c'est que c'est l'endroit où vous avez la meilleure régularité. C'est-à-dire que vous avez pile poil 12, pi 12, pi 12, pi 12. Alors que sinon, en fonction des saisons, bah vous allez être dans le noir pendant, si vous vous mettez près du pôle, bah pendant 18, 19, 20 heures et après éclairé pendant 4 heures. Alors au bout d'un moment, bah les accus, ils tiendront plus. Voilà pourquoi là, on est dans le noir, donc il n'y a plus rien qui charge. Par contre, si vous en mettez sur tout le tour des pôles, vous avez toujours des panneaux qui seront dans la lumière. Voilà. Pour ça, il faut faire tout le tour du pôle. Si vous faites tout le tour du pôle, bah vous avez effectivement la moitié des panneaux qui marchent et l'autre moitié qui ne marche pas. Alors, hop. Pour moi, c'est bon. Je vérifie quand même. Ici, bah tiens, storage, c'est bon. Remote supply. Et l'autre. Storage, remote supply. On est bon. On va pouvoir rentrer chez nous. On dirait bien que c'est vers là-bas. Et hop, nous voilà de retour. On s'arrête là pour ce moment et on va faire juste dans quelques instants l'endroit pour charger et transformer ce silicone en plaque. A tout de suite. Allez, c'est l'avant-dernière étape. On va récolter notre silicone, le mettre dans des fours, faire des plaques et approvisionner un spatioport planétaire avec nos plaques. Voilà. C'est gentil avec ça, mais pour l'instant j'en ai plus besoin. Mais tout d'abord, comme d'habitude, la petite corvée qui consiste à aller faire 1, 2, des moteurs bleus. Hop là, ici les moteurs
Oula. Donc avant, j'ai complètement oublié. D'abord, on va lancer ça. Oui, tout à fait. On peut en faire 3, on en profite. Apparemment, on doit prendre de ça. Eh bien, tant mieux. J'en reprends. Voilà, maintenant, il manque des moteurs bleus. Avant, il faut que j'aille faire des fours. Alors, pour faire des fours de plupart, il va me falloir un petit peu de ça et un petit peu de ça. Voilà. Très bien. Ensuite, on va aller faire nos moteurs bleus. Pour les faire, il nous faut plein de ça. Regardez à quel point ça s'est bien rempli. Que du bonheur. Que du bonheur. Très bien. Il nous manque des moteurs verts, et ben on en reprend. Et là, on sera tranquille. Un petit peu de graphène. Hop. Maintenant des aimants. Encore du graphène. Encore des aimants. Et sûrement du graphène. Et encore des aimants. Voilà, c'est les moteurs qui manquent. C'est parfait. Bien. Ben maintenant on va aller faire nos fours. Les fours on va les mettre là. On a de la place. Du moins on va s'en créer. On est parti, donc on voudrait en faire 24 par min seconde. Et donc pour cela, il nous faudrait beaucoup de fours. Un four en fait une toutes les 2 secondes, mais utilise un par seconde. Donc on peut en mettre 12 fours pour l'approvisionnement qui va sortir du 6. 1, 2, 3. Donc ici, on va mettre la recette de ça. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, un, deux, trois. Voilà. Donc chaque ligne de four absorbe 12 par seconde, si on peut les approvisionner, ce qui n'est pas du tout sûr et certain. Et derrière, va produire 6 par seconde qu'on va récupérer. Donc ici. Pendant qu'on approvisionne, bien entendu. Ici. Donc il nous faudra beaucoup de bras. Je pense qu'on en a assez. Les approvisionnements. On pourrait faire comme ça, ouais, je pourrais faire ça.
Ouais, on aurait pu les faire comme ça aurait été mieux. On fera les autres comme ça. Oh, quoique, c'est pareil. Est-ce que j'ai au moins un peu d'espace pour mettre des trucs comme ça? Nulle part. Ça va suffire, ouais, ça va suffire. Non, ça suffit pas tout à fait. Pas grave. Voilà. Bon. C'est pas mal. Les bras suivants. 14. Sans cesse des bras, quoi. Ça, c'est bien des 3. Parfait. Donc, hop. Hop. Hop, hop. Ah, ah c'est pas une partie très longue, hein. Et puis, ça n'a rien de complexe pour le coup, là. C'est du tout basique. Ensuite, on met notre truc au milieu, là, comme ça. Comme ça, il y a pile poil 3 sorties de chaque côté. Bah, il est un peu épais, là, hein. Il gêne un peu. Donc, hop. Ouais, c'est trop près. C'est trop près. Non, on pourrait faire une comme ça et une sur le côté. Ça serait bien plus efficace. Voilà. Donc comme ça, on a les sorties. Les entrées. Encore une sortie. Puis une entrée. Une sortie. Alors ici on va appeler, on va appeler ça du coup. On pourrait faire un local demande, on va le faire comme ça au cas où. Et remote demande bien entendu. On va mettre des vraies navettes. Et ici c'est un local supply. Et on pourrait aussi les demander. Comme ça, on approvisionnerait directement à partir d'ici. Il ne reste plus maintenant qu'à faire sortir ça, là. Et voilà, c'est opérationnel, même si ça ne se voit pas encore. Les navettes sont parties chercher 6000. C'est pas tant que ça, j'aurais espéré plus, hein. Mais apparemment il n'y en a que 6000 d'avance. Bon, 6000 c'est pas mal, ça nous fait 3000 petits trucs. Et ben maintenant, on est en train de finir ça. On va pouvoir commencer la construction de ça. Il nous faut des moteurs. Et des accus. Tout prendre.
Ah, et maintenant il nous faut aussi des stations. Donc on aura largement ce qu'il nous faut. En AQ, on en aura même un petit peu trop. Là, on a de quoi très probablement en faire au total 7 de plus des 5 qui sont là. Donc on aura 12 plus 25, 37 stations à aller déposer. C'est la dernière partie, juste après avoir vérifié qu'ici ça fonctionne. Mais dis donc, ça glandouille. Ça glandouille. Ah, allez, voilà, non? Non, non, ça c'est des navettes. Non, non, les grosses navettes, les gros vaisseaux ne sont pas encore de retour. On peut aller regarder où ils sont dans l'espace. Ah ouais, c'est loin. Ah oui, c'est loin. Ils sont là-bas, ils sont en train de revenir. Allez, à tout de suite pour la dernière partie. On va poser nos collecteurs de deutérium de façon à pouvoir booster la production de matrice verte puisqu'il n'y a plus que ça qui manque. Alors, les gens, alors on a 25 collecteurs, on en fabrique 5 de plus. Je pense vraiment que je n'ai pas besoin d'en fabriquer autant. Donc, je vais ranger mes affaires. Oui, ça c'est pas tout à fait non plus. Ça que j'entendais pas ranger mes affaires, ça c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon coffre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme affaire à ranger? J'ai plein d'hydrogène, tiens. Faut les mettre à la main comme ça. Voilà. Du coup, je vais pouvoir annuler ça. Voilà, et puis les relancer après de toute façon parce que ça peut pas faire de mal. Bon, je vais en lancer quelques-uns. Est-ce que je peux en lancer quelques-uns des collecteurs? Je pense que je vais en lancer 2-3 au cas où je me sois trompé dans mes comptes. Allez, 1, 2, 3. Voilà, et je pense que pour le reste on est bon. On va continuer à fabriquer des petits moteurs. Et on va aller tranquillement poser ça sur notre petite gazeuse. T'es où? T'es là. Et voilà. Non, le problème, c'est qu'on va aller plus vite que les vaisseaux à tous les coups. À chaque fois qu'un drone part. Ah, là, il n'y en a pas qui soit parti. Hop là. Là.
Hop là, encore un. Vas-y, 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 reviens. Hop. On attend nos drones. Dit que c'est long. C'est une belle planète. On n'a pas la même notion quand on est sur la géante gazeuse. Et sinon, est-ce que vous savez pourquoi il faut les poser sur l'équateur? Eh bien, c'est à cause de la force centrifuge qui fait que les planètes ont la matière qui est attirée vers l'équateur, vers là où ça tourne le plus vite en fait, hein, et qui les pôles sont légèrement aplatis. Voilà, les planètes sont légèrement déformées, encore plus lorsqu'il s'agit de gazeuses. Et donc, j'imagine là pour le coup, parce que c'est une science qui n'existe pas, que c'est plus facile d'attirer et d'aspirer la matière justement à l'équateur, là où elle a une tendance à, voilà, à remonter, que vers le pôle où elle a tendance à s'affaisser. On y arrive ou on n'y arrive pas? On voit notre planète, on voit qu'on y arrive, hein. Regardez, on les voit les suivants. On n'aurait pas tardé à les voir. Voilà. Bon, on reste 2-3 à poser, j'en ai encore 9, donc on en a fait trop. Ce qui n'est pas un problème. De toute façon, on peut faire du deutérium à partir de... directement à partir de l'hydrogène, hein. Mais je préfère autant aller pomper du... Ça coûte rien, hein. Une fois que c'est fait, c'est posé. Donc j'aime autant aller chercher direct du deutérium tout près. On avait le temps. Et Matrice Verte, c'est pas pressé, hein, parce qu'on a besoin d'aucune pour la suite, pour l'instant. Alors ici, voilà, c'est bien ça. On a du deutérium qui s'accumule et c'est plein en hydrogène. Mais on voit bien que le deutérium, il n'y a pas de quoi faire une navette. On va revenir en arrière. Visiblement, j'en ai raté un. On va récupérer quelques drones de construction. Parce que sinon, ça pique. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dès demain pour la suite, la construction de la sphère de Dyson en plusieurs étapes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-routines à faire, de choses à fabriquer qu'on n'a pas encore fabriquées. Des voiles solaires, des navettes, des propulseurs. Je pense que je vais faire ça en 2 épisodes. Et après, on sera prêt à recevoir des photons qu'on décomposera en photons et en antiphotons pour pouvoir faire en je sais pas quoi et en photons, en antiphotons, de façon à pouvoir faire les matrices blanches, et c'est-à-dire la fin du jeu. Allez, à demain, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé, et à tout de suite pour la suite.